L'écran, tu m'as dit combien? L'écran, on est à 79€, 69€, ça dépend. Qui maintient les nappes. Donc c'est là aussi tu peux la mettre si tu peux, d'accord? Comme ça te permettra de gagner du temps et de voir au niveau de la visserie est-ce que. Alors tu la mettre avant de mettre cette nappe? Non, non, la nappe elle n'a rien à voir. Hein. Ah. Alors, là, toi tu mets ta plaque. C'est pour. J'ai déjà mis la vis. Tu n'as jamais mis la vis. Donc voilà, donc fais attention. Toi, ça c'est des petites erreurs que vous allez faire, c'est pas bien méchant, tu vois. Tu veux mettre la plaque, ah, il y a une vis avant, j'aurais pas dû mettre la vis avant, hop, t'enlèves la vis, tu remets la vis. Alors fais attention à ton tournevis, c'est un cruciforme, parce que c'est un étoilé, qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors pourquoi j'ai insisté au départ sur le fait que vous devez essayer de mettre en chronologie la visserie, de manière verticale, c'est pour vous permettre de vous faciliter dans le remontage. Parce que si vous arrivez à un moment donné où vous dites putain mais où elle va cette vis, c'est que peut-être quand vous avez démonté et vous avez fait votre schéma de démontage, vous avez mal respecté un truc.